T'es là? T'es là derrière. Derrière ton écran? Ouais, t'es là. Sinon, par la même main. Hello, hello! Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Maniteur, les dents de la mer. Donc, nous sommes à la partie 17 des vidéos, on avance bien. Regardez un peu mon requin, à quoi il ressemble, comme il est mignon, tout. Et tout beau, tout neuf, hein. Voilà, donc pour toi qui es nouveau, bien, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des futures sorties. Pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, on ne change rien. Mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Et sans plus attendre, nous démarrons de là. Donc, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette aventure, les potos. Oh, j'avais pas vu le dessin du dauphin, vous avez vu? Top. Donc, mon requin il est trop gros, il a du mal à sortir maintenant. Vous avez vu ça un peu? Donc ce que l'on va faire les amis, ce que l'on va faire, je vais vous expliquer une fois qu'on arrive à la surface. Nous allons, regardez, on n'est pas loin. On va essayer de se faire Robert Brunelet, ok? Donc on va vite passer 10, on va bouffer quelques humains. Et nous essaierons de nous faire la mission principale après. As the terrain of the Gulf Coast is relatively flat, even a small rise in sea levels could trigger an immense loss of land. Allez, ça commence fort les potos, c'est de la vraie boucherie à nouveau. Allez, tranquille hein, elle a bien. Ah, ça y est, ils sont là, ils ont pas mis longtemps, va. Non, c'est juste cassé, vous avez vu. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai remis mon armure au sol. On va se faire le salut au passage. Il m'a regardé de travers, c'est quoi le beans là? The Gulf is vast, 600,000 square surface miles to be exact, making it among the world's seas. As we face impending resource scarcity and declining living standards, it's nice to know that in the meantime, voilà, there's still sérieux? A place to get a good oh, bamboo fusion deux, massage. Quoi. Oh là là, c'est une boucherie les amis, c'est une boucherie. Donc il faut détruire les bateaux, ok. Voilà, tranquille. Non, mon requin, je trouve stylé comme ça. Vous avez vu, il est vraiment sapé comme jamais. Hein. Comme dirait notre ami Maître Gims. Sapé comme jamais. Our cameras are capable of capturing previously unseen lui, hein. Animal ah. behavior. Not like this, commonly seen animal behavior. Allez, vas-y. On défend ce fou là, on n'a pas peur, on est des rappeurs, hop là. Il en trouve quand même quelques-uns. Hein. Allez, hein. Pas de cadeau là. Il commence à me faire mal un petit peu. Il commence quand même à me faire mal. On va. Voilà, merci. Au revoir. C'était cadeau, c'était pour mes amis. Voilà, tranquille. C'était pour toi, mon poteau.
manger le phoque, on mange le phoque, hein. Allez. Le phoque, il me fait l'esquive... une esquive pourrie, quoi. Non, mais il est pas sérieux. Allez, il arrive. J'ai intérêt de me remettre de la vie, les poteaux. Ah, il est là. The beast of the fleet, Captain Robert Brunt. N'hésite pas, n'oublie pas, commente, like, mes poteaux, c'est important, vous le savez. YouTube ne nous fait pas de cadeaux, hein. Supprime les pouces bleus. Voilà. On va vite, on va remonter sa vie d'abord, hein, les amis. Vous voulez pas, vous vouliez voir le combat direct, mais non, non. The idea that shorelines belong to the public comes from Roman Emperor Justinian, but only because he wasn't able to consult with the Association of Resort Developers. On l'a eu, les amis, on l'a eu. Net. C'était pour toi, mon poteau. C'était pour toi. Niveau d'un famille 10, voilà, tranquille. On l'a fait à la one again de Beast to Fly, je vous le dis. On n'a rien lâché, on n'est pas mort. Dégage, on se les fait là, eux les petits là. Ouais, ah, j'ai rien pris, je crois qu'ils ont bouffé un, hein. Je l'ai pas eu. The accelerating destruction of the Gulf Allez, petit plongeur. Je suis focus, les photos. The water along Caviar Key is frequently described as gin clear. Which reminds me, I could go for another Singapore sling. Oh là là, ricochet sur le bateau d'effet. Comme c'était beau, mon ami. Oh là là là. Oh, pop, pop, pop. Allez, allez, allez. Le chasseur, là, ça dégage. Là, il y a Gatley, les amis, hein, je vous le dis.
Allez, en avant Gengar, I wanna get a big fly. On va éviter de se reprendre le but là. Là c'était beau, c'était encore pour toi mon poteau. Ah t'es gâté là aujourd'hui. J'ai dû prendre la switch. Je ne lâche rien. Comme j'ai dit au début, je suis sapé comme jamais. Mon armure au sol. Ma défense tout, ma défense tout. Allez, Caviar Key provides a scenic setting je for humanity's destructive bleu. Impact on the là natural dedans, world. On a une mission principale. Ah, je peux pas parce que je suis en combat. On est vraiment dans le caca, les photos, là on est dans le caca les amis. Je peux pas rentrer dedans, puis hop. Coastal erosion currently impacts over 70% of the globe's sandy beach environments. The ocean is a source of life, inspiration, and eternal renewal. But mostly it exists to be exploited and commodified by humans. En mangeant des petits poissons comme ça, j'ai encore faim après. Non, oh là, il fait ressortir ça, c'est enquiquinant. The Gulf Stream is just one of many major currents that mariners have used since time immemorial to circumnavigate the globe. Niveau de recherche rediminue. Mais je l'ai raté ou je l'ai avalé tout cru? The battle is over, but the war goes on. Allez, poteau. Notre mission, elle est là-bas, ok. Donc, mettez bien en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit combat, là, tranquille. Voilà. Je suis pas mort, c'est bien. J'ai envie de dire, GG Knight, non? Ouais, t'es d'accord? Non, t'es pas d'accord? Même si t'es pas d'accord, t'es d'accord avec moi. Ah, t'es mon ami. Quand t'es mon ami, t'es toujours d'accord. Même si j'ai tort, j'ai raison. Non ? Ça marche pas comme ça ? Bébé, ça marche pas comme ça. Les amis, de toute façon, normalement, les amis, quand on a tort, l'ami, il a raison, toujours. Moi, c'est comme ça. J'ai tort, j'ai raison. Non, je déconne. Parle à ma main, mec. Là, vous allez vous dire, Night Twitch est complètement fêlé. Ouais, je suis fan. Pete has a new boat, and from the looks of it, there are several features probably not legal for civilian use. Oh, c'est quoi ce bateau là? Torpille et tout, quoi. Tranquille, hein? So you found me. So what? Il veut nous le faire à la One Again Beast Pete, of Fly. I don't know what all this is, but you're scaring us. Ce qu'il sait pas, c'est qu'il est déjà mort, en fait. What you gotta be scared about? You a shark? Pete, I don't want to, but I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved? You think I'm crazy? No, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get easy. But when some shark take everything I got, t'as pris cher, en tout cas, mec. The same chance she gave my boy. None! Now get the f*** off my boat before I kill you too. The f*** I say! Oh, ouais.
La caméra, mec, 2000 euros la caméra. Hope you get along, girl. This one is shocking to fear tonight. Bouh. T'as eu peur, hein? Si t'as eu peur, c'est que t'es pas un vrai rappeur, hein? Je te le dis. Pete has built an impressive battleship. Bon. But will it be enough to endure the prehistoric might of a mega shark? Oh, méga requin contre le PT-52. Ah, 522. Merci, mon amour. Quand il y a trop de chiffres, c'est plus compté, c'est comme ça. J'ai été à l'école que jusqu'à la cantine, en fait. Pour bien manger. Donc, moi je sens la grosse galère là quand même, je sais pas pourquoi. Oh là là, on n'a rien à améliorer là. Ah ouais, mais de toute façon je pourrais même pas. Ah, muscles brutaux. Attendez les amis, avant d'y aller, on va aller... on va vite retourner. On se le fait en voyage rapide, hein, on est à côté. Parce que le combat, à mon avis, ça va être chaud. Je pense qu'on va prendre ce qu'on a gagné là. Only here can the shark discover the miracle of self-love. On a gagné quoi? On a rien gagné là. De toute façon, c'est la queue qu'on a gagné, non? Ah, je comprends rien. Il y avait marqué un truc qu'on a gagné, les amis, non? Cartilage renforcé. Oh! Ah, il est là! Regardez. Dégâts de l'attaque caudale. Allez, encore un? Ouais, super. Et lui? On peut tout améliorer à bloc, c'est top. C'est top ça. Donc attendez. Là, j'ai quoi? J'ai le cartilage renforcé. C'est pas mal. Lui, on va l'enlever. Pas s'il se fait bien, mais bon. Et on va mettre lui. Vitesse max. Vitesse de nage. Ouais. Et là, vigueur. Ouais. Allez, on y va, les poteaux. Allez, va déjà un peu plus vite, c'est quand même top. Hein. C'est pas si c'est dans la bonne direction aussi. Regardez un peu la vitesse, les amis. Ça rigole plus là. Là, il court le marathon, mon requin. Je te le dis. Oh là 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 là, comme il se la pète en plus, quoi. Allez, encore un coup, comme un dauphin. Encore comme un dauphin? Allez, regarde. Yeah! I wanna get a beast to fly! On va lui faire sa fête, moi je te le dis. Ah! Hello there, girlie! As you can see, c'est toi et moi! C'est ma guerre! Je vais te défourailler la tête! Ah. I'm gonna fix you up real hard! Ah,
vite, cours, revois le sas. C'est un truc de ta vie, t'as des torpilles au cul, il est fou. Non, ok. There one's for Kyle. Tu fada toi. Toi attends. Je sais pas ce que je te réserve, mec. Et là en fait j'ai merdé parce que voilà, je reste. Parce que le but, vous voyez ce qu'il a en dessous, c'est de le détruire, comme ça on prend plus les dégâts électriques. Allez, on y croit, parce qu'on est des rapabeurs. Non, des rappeurs, et on n'a pas peur. Hein, t'en penses quoi? J'y arrive là, maintenant, pour toi. Je me sors les doigts du huc et j'y arrive. Allez. Benjamin Franklin marveled at how quickly the Gulf Stream allowed him to travel back to America after his many Parisian whoring expeditions. Allez, allez, on y va. C'est parti. C'est parti, mon ami. Ah, mais attendez, j'ai pas vu que j'ai mis le. Attendez. Brisos. Ah, oui, non, mais ça, ok. Allez, on s'accroche. Hein. Donc, déjà, ce qu'on va faire, on commence par lui détruire ses antennes électriques là en dessous. Hello there, girlie. As you can see, I came prepared today. I te défoncer ta tête. I'm a fix you up real first. Bet you didn't think I had torpedoes. This is real knockdown track. She looks like a wreck of a soul. Il me faut du poisson là. Voilà. De toute façon, je lui ai pété son truc là. Elle me font flipper quoi en fait. Alors, il m'en faut peu, hein. Il m'en faut peu pour flipper les amis, hein. Mais bon, vous le savez. Comment on fait là? Il me faut de la vie, il me faut de la vie. You
Putain, je suis concentré, j'ai peur de mourir avec ce truc. Oh là là, il y a un poisson là. Bateau, on active le truc. Voilà, c'est chaud les couteaux, c'est chaud. Hein. Là les amis, je sais pas ce qui m'attend là. Allez. Là, je suis focus, les photos, j'ai jamais été aussi concentré de ma vie. Ça c'est un bon McDo, McFlurry, bien sûr, chocolat, tranquille. Cailloux, t'avais qu'à pas m'embêter. Je suis un fou, moi. C'est maintenant. Non, il est derrière, il est là. Ok. Focus là. Allez, couche, c'est bien. Non, je me suis repris des dégâts là. Putain, mon requin. J'ai repris des dégâts, il s'en prend encore. Avant d'y retourner, il faut que je bouffe avant d'y retourner. J'ai pas le choix. Il va m'attendre hein, peut-être les cailloux là. Là il est fini, je sais pas encore mais il est fini là. Allez.
Allez, allez, c'est maintenant, c'est maintenant. Yeah, les poteaux. Alors, one again a beast to fly, on l'a fait, là, je vous le dis. Hein. Bon, j'ai connu des boss plus compliqués, quand même. Rien que dans The Last of Us, voilà. C'est... Mais à mon avis, il y a une autre phase de combat, hein, je pense. Hein. Ouais. Excellent. Excellent. Non, dynamite. Laissez les bons temps rouler. I suppose there's a lesson to be gleaned here. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse. But this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks. So until next fishing season, this is Maneater. Bon, après, il y a pas mal de choses à faire pour finir entièrement à 100% toutes les régions et tout. Mais on a tué Pète les cailloux, été, Pète les cailloux, n'est plus. Pète les cailloux me les a pétés. Je lui ai pété la tête à Pète les cailloux, parce que c'est un fou. Eh ben, voilà, les amis, écoutez, quoi dire. Quoi dire, les poteaux? C'est une belle aventure. Ouais, vous êtes régalés. Remarque le fait que je vous ai pas tout montré, c'est bien aussi. Pour ceux qui veulent faire le jeu. Voilà, j'ai pas tout spoilé. Voilà, il y a pas mal de choses encore à faire. Des plaques d'immatriculation. Voilà, des quêtes annexes. Il y a pas mal à faire encore. Mais au moins, vous avez vu le plus gros. Hein? Donc, eh bien, mes amis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu. Voilà, du gameplay. On s'en est bien sorti quand même. Pour tout le monde, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Toujours pareil. Prenez soin de moi. Hein, je le mérite quand même. Non? Pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner. Activer la cloche de notification. C'est important aussi. Afin de ne rien rater des futures sorties. Je vais voir si on peut pas avancer un peu, on ne sait jamais, je voudrais... Ah si, regardez. Comme ça, on va voir si on débloque un truc ensemble, ça vous va? Allez. Voilà, tranquille. Vous pouvez continuer à vous nourrir, à grandir et à évoluer. Sensationnel, ben merci. Alors là, vous avez, voilà, tout ce que j'ai fait. Il reste... Il reste pas mal. Bayou, bête la langouste, j'y suis même pas allé. Si, 9%. Mais au moins, voilà, je vous ai pas tout spoil, c'est... Je trouve que c'est sympa. C'est sympa de ma part pour vous, hein, mes abonnés. Ouais, bon. Donc continuez, terminez, la fête continue. Even for sharks, it's important to create personal time for sober self-reflection. Donc j'ai pas compris, épisode 9. Ben, de toute façon, là on a fini... Là oui, en gros on a fini le jeu de toute façon, puisqu'on a tué Pète les cailloux. Donc normalement, voilà. En mission scénario, on n'aura plus rien. Scénario terminé à 100%. La fête continue, c'est juste pour les missions annexes, comme je vous ai expliqué. Pour les plaques d'immatriculation, voilà. Les panneaux aussi. Les panneaux de stationnement, vous savez qu'on trouve soit normalement sur la route, mais là on les trouve sous l'eau. Eh bien écoutez, merci à tous. Portez-vous bien. Parce que moi j'ai pas le temps de vous porter. Hein, y a d'autres jeux qui vont venir pour vous faire plaisir. On se dit à bientôt. Bye bye, merci et restez cool, je vous aime. Allez, ciao.